à la maison, j'espère que vous allez bien. C'est Vanessa, alias Fille à paillettes, toujours sur Ravelry et sur Instagram. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation de venir dîner à la maison ce soir. Donc ce soir, voilà, c'est le thème de la soirée, du dîner, ce sont les encours. Donc un buffet d'encours, un banquet, une orgie d'encours. Voilà, tous les projets boulets sont sortis, on va en parler ce soir. Donc voilà, j'espère que vous avez faim. Ça risque d'être un petit peu long hein, parce qu'il y a beaucoup de choses, donc voilà, mettez-vous à l'aise, prenez un verre de vin, une tisane, voilà, on peut trinquer hein. Évidemment, si vous avez moins de 18 ans, ne faites pas comme moi, voilà. Donc ce soir, on va... je trinque d'abord. Alors... avec Sacha, on a prévu donc un repas en trois parties, un classique, les entrées. En entrée, on va vous parler chaussettes. En plan principal, ce sera pull et gilet. J'espère que vous aimez ça. Et en dessert, nous avons prévu les accessoires. Voilà. Alors, on va commencer. Hein. Donc, les chaussettes, oui, donc pourquoi ce petit, avant que je commence, pourquoi cette petite vidéo? Donc j'ai décidé de faire le point un peu sur tous les encours, les projets boulets à la maison, qui sont au fond des tiroirs. C'est pas forcément fun, voilà, il y en a, ils sont vraiment, enfin c'est pas que c'est fun, mais bon, c'est vrai, voilà, c'est un peu les projets qu'on a plus envie de tricoter et tout, donc voilà, j'ai fait cette petite mise en scène pour les rendre un petit peu plus sexy. Lissandre a lancé un challenge pour janvier en mode je finis tous mes encours. Franchement, c'est ce qui m'a donné envie de faire cette petite vidéo, etc. et de parler de tous mes encours. Mais concrètement et très objectivement, je n'arriverai pas à finir tout ça en janvier. Je vais vous montrer pourquoi. Donc, on va commencer. Donc, les entrées, hein, je pense que tout le monde va prendre de l'entrée. Hein, voilà. Chaussettes, alors qu'est-ce qu'on a en premier? Je vais commencer par la plus vieille entrée, hein, celle qui a bien mariné pendant plusieurs mois. Il s'agit des chaussettes Lucille Socks, donc un modèle dont je vous ai déjà parlé, je vous avais déjà montré il y a longtemps, que j'ai fini. Voilà, elles sont ici, mais le volant ici ne me plaisait pas. J'ai décidé de défaire le volant et de faire, je sais pas, juste un rabat normal. Donc, il n'y a rien à faire. J'ai défait, voilà, le premier volant. Il faut que je rabatte, hein, faut que je retrouve la laine. Hein. Donc, cette laine, c'est une laine néerlandaise. Donc, la marque s'appelle Vadvoli. Je l'avais achetée sur un festival laineux aux Pays-Bas. Et là, voilà, il faut juste que je fasse le rabat à l'aiguille, que je défasse le volant de la deuxième et ce sera terminé. J'ai été extrêmement flemmarde. Je vais venir vous montrer un peu plus près. Voilà, les chaussettes en question. Là, j'ai pas trop d'excuses quand même. Voilà, il faut... Ça peut être fait très rapidement. C'est vraiment purement de la flemme. La deuxième paire qui n'est pas terminée. Il s'agit d'un très beau modèle de Lissandre. Ce sont les chaussettes Hortensia que j'ai commencé l'année dernière, au mois de mai, quelque chose comme ça. Oui, maintenant on peut dire l'année dernière, puisque nous sommes le 2 janvier 2024, donc l'année dernière. Et voilà, classique, j'en ai tricoté qu'une seule. Voilà, je vous les avais déjà montrées également. Donc voilà, cette belle chaussette attend sa sœur jumelle. Donc chaussette Hortensia, très jolie dentelle sur tout le pied, voilà. Et c'était une collaboration. Donc je les avais eu à Noël l'année dernière, un kit qui a été réalisé donc par Lissandre et Vulcania. Voilà, c'était vraiment un très beau patron, un très joli kit. Il faut que je finisse. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a par ordre, hein, j'essaie de faire par ordre chronologique. J'ai en encours des chaussettes pour monsieur. Voilà. Donc, je vous les avais déjà montrées également. Il s'agit de chaussettes
tricotée en laine opale. Voilà, opale yarn. Et le modèle, c'est le patron des chaussettes, l'exploratrice de mon amie Monel. Donc vraiment, c'est le patron, mon patron fétiche. Je les tricote tout le temps, ces chaussettes. Donc, j'en ai tricoté une. Je suis en train de tricoter la deuxième. Et je me suis subitement arrêtée. Donc voilà, il faut que je reprenne. Voilà. Donc ça, c'est pour mon mari. Ensuite, dernière paire de chaussettes. Il s'agit encore d'une paire de chaussettes exploratrices. Et cette fois-ci, voilà, là, c'est dans la salade. Hop. C'est des chaussettes que je viens de commencer. Je les ai montées le jour de Noël parce que j'avais très envie de castonner un projet de Noël aux couleurs de Noël. Et l'année dernière, j'avais reçu en cadeau d'une amie cette pelote. Vraiment très couleur de Noël. C'est de la laine qui vient de chez Hobby. Voilà, couleur de Noël. Donc j'ai commencé, je fais les deux en même temps. Toujours pareil, patron l'exploratrice. Voilà. Et j'ai fait le... Je suis désolée pour le cliquetis du... Attendez, je vais l'enlever. Oula, si je casse les verres. Tu protèges pointe. Voilà. Je fais les pointes, les talons en régia écru. Alors pourquoi? Parce que je pensais que cette laine allait faire des rayures, des vraies rayures, comment dire, régulières. Et donc je me suis dit, bah si tu commences directement à faire tes talons, ça va pas être joli. Donc j'ai acheté une pelote. Quand je les ai commencées, j'avais emporté les chevaux la dernière fois que je suis allée à Amsterdam. Et à côté de mon boulot, il y a une boutique de laine, une mercerie qui vend vraiment de la laine, pas du tout la laine teinte à la main, mais voilà, elle a toutes les marques, enfin beaucoup de marques qu'on connaît, comme Lana Grossa, Langyarn, etc. Regia et tout, pas mal de laine à chaussettes. Et j'ai acheté de la Regia écrue pour faire les pointes et les talons. Donc la pelote m'a coûté 4 €, hein. C'est vraiment pas très cher. Voilà, mais en revanche... Bah, je suis un peu déçue parce qu'au final, ça ne fait pas de rayures. Donc en fait, j'aurais pu commencer directement, on s'en fiche, c'est pas grave. Mais voilà, ça fait pas, c'est pas régulier en fait. Je pensais que ça allait faire des rayures, mais non, en fait, ça fait un espèce de dégradé, je sais pas, c'est un peu bizarre. Donc à continuer à suivre pour ces chaussettes-là. Voilà. C'est tout pour les chaussettes. Donc voilà, j'espère que vous avez encore faim. Maintenant, on va passer au pull. Hein. Il y a de quoi faire. Le plat de résistance est assez costaud. J'aime beaucoup tricoter des pulls, des gilets. C'est un peu le problème parce que bah, ça prend du temps. Ça prend plus de temps que des accessoires. Ça prend plus de temps que tricoter des chaussettes. J'aime bien tricoter les chaussettes, mais c'est pas ce que je préfère. Et en fait, si je tricote trop des chaussettes, au bout d'un moment, j'ai mal ici dans la main parce que les aiguilles sont très très fines. Et puis, de toute façon, j'ai une préférence pour tricoter des grosses pièces, pour tricoter des pulls. Donc, on va passer au pull. Alors, le premier... Ah oui, c'est la grosse dinde. Je vais la chercher. Alors là, je vous ai préparé la grosse dinde. Donc là, oulala, attention, ça prend de la place. Je vais enlever quelques plats parce que sinon, on va pas s'en sortir. Voilà. C'est ça, attention, c'est chaud. Donc là, elle est grosse. Il s'agit d'un pull que j'ai tricoté il y a très longtemps dans un alpaga que j'ai acheté chez une marque anglaise qui s'appelle Debonair. Je l'ai acheté sur un salon à Paris il y a vraiment longtemps. Je ne sais plus si c'était l'aiguille en fait ou création et savoir-faire. Et le patron, c'était un patron de la boutique, donc de Debonair. Donc voilà, je l'ai tricoté. Je l'ai fini. Je vous le montre. Voilà. Donc c'est un pull. Il est assez long. Je l'ai tricoté assez long. Complètement ajouré. Une sorte de maille résille. Je vais vous le montrer de plus près. Dans un joli vert. Voilà, c'est un pull tricoté en maille résille partout, les manches,
les manches, le corps, voilà. Et en fait, le col ne tombe pas bien du tout. Donc au début, le col était beaucoup trop large. Il était vraiment... J'avais suivi les instructions du patron. Le col était vraiment trop large. C'était pas joli. Ça faisait vraiment une espèce de bavette, là. Un truc comme une espèce de... Ouais, je sais pas. C'était vraiment très moche. J'ai tout détricoté. Je l'ai retricoté en enlevant des mailles, sachant que... c'est pas si évident que ça, parce que c'est un point résil, vous voyez, là. Donc, il y a un petit peu prise de tête. Donc, j'avais fait des calculs savants. Et maintenant, c'est trop serré, c'est pas joli. Parce qu'en fait, c'est censé être un col qui tombe un peu, mais pas trop non plus, quoi. Qui fait un peu, je sais pas, vous voyez, un peu comme ça, là, naturellement. Alors moi, au début, c'était affreux. Ça tombait tellement que ça c'était pas joli. Et là, maintenant, c'est l'inverse. À la limite, il tient tout seul, quoi. Ça fait une espèce de col cheminée. Et en fait, je l'ai complètement abandonné. Donc, il faudrait que je redétricote, que je refasse des tests et que je décide enfin, voilà. Alors, à l'époque, c'était pas du tout la mode... à l'époque, je sais, ouais, j'ai tricoté il y a peut-être 8-9 ans. C'était pas du tout la mode des pulls cropped. Donc, il est assez long, même pour moi. Voilà, je sais pas si on voit. Peut-être pas bien. Alors, je fais gaffe parce que, en fait, j'ai vraiment un matos tout pourri pour filmer. J'ai un trépied qui ne tient pas. Et si je bouge trop le trépied, vous allez tomber. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment très grand. Mais ouais, je sais pas. Donc, c'est soit je défais tout, soit je refais le col encore une fois, je sais pas. Je vais le passer, vous allez me dire ce que vous en pensez. Ouais, là, ça tient tout seul. C'est très bizarre. Donc, je me souviens, je l'avais vu sur un mannequin. Il avait été tricoté au salon et j'avais flashé dessus. Mais là, il est juste chelou, quoi. Voilà. Donc, faut prendre une décision. Je me rhabille. Dans les projets, je décale mon chat. On ne le voit pas, il est caché dans le siège bébé. Dans les projets, pareil, qui sont partie de l'Antiquité, il y a ce projet. Donc celui-ci, il s'agit d'un gilet, en mohair et soie. Et alors là, mais pourquoi pas, hein, j'avais décidé de me rendre la tâche un petit peu plus difficile. C'est un patron en néerlandais. Bon, je l'avais traduit sur Google Trad. Bon, après, une fois qu'on sait que tel ou tel mot, ça veut dire ça, maille en droit, maille en vert, augmenter, diminuer, c'est pas si compliqué que ça. Mais voilà, il est tombé dans l'oubli. Donc, c'est un gilet qui se tricote en morceaux et après qui doit s'assembler avec des coutures. Donc, c'est un patron de... Attendez, je l'ai noté, je ne me souviens plus. C'est un patron... de Lana Grossa. Et le fil vient aussi de Lana Grossa. Alors, malheureusement, il n'existe pas en français. Hein. Si vous le cherchez, vous ne le trouverez pas. Je sais qu'il existe en néerlandais et en allemand. En tout cas, dans ces langues-là. Voilà. Donc, j'ai fait le dos. Je vous mettrai une photo du gilet. Oh, il fait nuit, on ne voit rien. Donc, la couleur est magnifique. C'est un bleu pétrole. C'est une, voilà, mes couleurs fétiches. Très, très beau. Ouais, on ne voit pas grand-chose là, puisqu'il fait nuit. D'ailleurs, vous allez me demander, mais qu'est-ce que tu portes, Vanessa? Je porte un pull aussi tricoté main, qui a été tricoté en mohair et soie. Bah, bleu pétrole aussi, mais un peu plus foncé que celui que je viens de vous montrer. Et en fait, il y a des petites fleurs qui ont été brodées avec des perles tout au long de l'encolure. C'est un pull magnifique que j'adore. Ce n'est pas moi qui l'ai tricoté, c'est un cadeau qu'on m'a fait. Quand j'ai commencé le tricot, j'avais sympathisé avec une dame qui était adorable, qui tricotait merveilleusement bien, et voilà, qui m'avait gentiment proposé de me tricoter un pull si je lui fournissais la laine. Donc c'était vraiment adorable, elle m'avait tricoté ça. Malheureusement, cette petite dame est décédée depuis, voilà. Mais ce pull-là, voilà, je suis très attachée à ce pull, qui tient d'ailleurs très très chaud. Donc, j'avais commencé un demi devant, donc oui. Ah, mais en plus, tu tricotes sur des aiguilles droites. Oui, pourquoi? Parce que comme c'est un ouvrage en morceaux, en fait, je vois pas forcément l'intérêt d'avoir des circulaires, sauf pour le transporter, bien évidemment. Mais en fait, je trouve que comme le mohair, ça glisse beaucoup, etc., je trouve qu'on voit mieux, quand on a des aiguilles droites comme ça, on voit mieux les dessins, on voit mieux la dentelle.
que sur des circulaires. Bon, voilà. Après, à l'époque, je devais pas avoir énormément d'aiguilles circulaires en stock non plus, donc j'avais décidé de mettre ça sur les aiguilles droites et privilégier les circulaires pour d'autres patrons. Donc ça, il est vraiment très beau. C'est vraiment bête de l'avoir laissé en plan comme ça, surtout que ça fait longtemps, ça fait plus de 5 ans. J'ai juste peur, en fait, en reprenant le patron, pas de pas m'y retrouver, mais j'ai peur de plus avoir la même tension et que ce soit tout moche. Donc, à voir. Mais vraiment, alors à défaire, c'est un enfer, hein. Il faut que je voie, mais ça, c'est un truc que je pourrais quand même finir, qui serait très sympa pour maintenant et pour la mi-saison, etc. Voilà. Ensuite, plat de résistance. J'espère que vous allez aimer. Là aussi, grosse pièce. Hop. Voilà, attention, c'est chaud. Alors là, ouais, c'est chaud plus trop, hein, parce que ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'il attend. Donc là aussi, un patron néerlandais. Il s'agit d'un gilet. J'avais flashé sur un salon à Zwolle. Ça devait être les Bridehaven. J'étais avec une amie, donc les jours de la laine. J'avais flashé sur une veste qui était sur un stand d'une boutique néerlandaise. Et en fait, le patron était le patron de la nana qui tenait le stand. Donc, c'est pas un patron qu'on trouve sur Ravelry, etc. Et donc, j'ai acheté la laine pour le faire. Et elle m'a donné un bout de papier avec les instructions pour la veste. Donc ça, c'est une veste au point de blé. Donc là, j'ai fait le dos. Pareil, je ne vais pas voir grand-chose. C'est sombre et il fait sombre. Voilà. Qui se tricote en double. Voilà. Avec deux fils. Qui sont ces deux fils là, alors c'est Ertegarn et c'est de l'alpaga et l'autre bah aussi je crois, voilà, mais ça c'est 100% alpaga, donc ça c'est très très fin, hein. Il y a écrit 2,5-3 mais c'est vraiment très très fin, ce joli marron là, voilà, et que je double avec avec celui-ci qui lui a écrit numéro 5. Et là, c'est 83% de bébé alpaga et 17% de nylon. Donc ça, c'est gris. Hein. C'est un gris anthracite que je mélange avec ce marron. Voilà. Et ça fait un effet chiné. Un effet chiné. Donc là, il y a encore du boulot. Hein, parce que donc j'ai pas fini le dos. Il y a deux pans devant avec une grosse torsade qui fait tout le tour et il y a les manches. Et le patron, il est très succinct. Donc, c'est pas que c'est difficile, mais c'est que c'est en néerlandais. Donc, voilà, si je comprends pas et tout, il y a personne pour m'aider ou... Enfin, comment dire, je me souviens même pas du nom du stand ou quoi que ce soit, je peux pas contacter la personne. Projet boulet. Gros projet boulet. Voilà. Ensuite, continuons. Le repas vers d'autres mets. Alors là, je vais vous proposer autre chose, donc un peu plus récent, mais encore un bon projet boulet aussi, hein, parce que ça fait longtemps qu'il est à table, ça fait longtemps qu'il est dans les placards. Alors, hop, je vais trouver la caméra par ici, ce sera plus simple. Alors là, il s'agit, à place de ce qu'on vive, un pull moutarde, voilà, très beau, un Irlandais magnifique qui se tricote en aller-retour, donc il faut coudre les côtés, donc moi j'aime bien l'idée parce que comme c'est un pull assez lourd, ça tient bien, voilà, et c'est un modèle Bergère de France qui vient d'un catalogue que j'ai quelque part dans des cartons, voilà. Alors moi, ce que j'adore les pulls irlandais. Il y a des torsades, là. Il y a un beau panneau de torsade. Et alors, ce que j'adore, c'est le point d'astrakhan. C'est mon point préféré. Donc, il y a du point d'astrakhan qui encadre le panneau de torsade, mais c'est assez long à faire. Et le dos est identique et les manches sont totalement en point d'astrakhan. Donc, là, il y a quelques heures de boulot. Pourquoi je m'étais arrêtée? Pourtant, je l'adore.
Le fil que j'ai choisi, c'est la Deka de La Bien d'Aimer et c'est un Merino Superwash. Et j'avais trouvé, donc je l'ai bloqué une première fois, je l'ai lavé. Je trouvais que ça s'était vachement détendu. Et en fait, j'ai peur que ce soit trop large pour moi. Et du coup, je me suis arrêtée. J'ai dit, est-ce que je refais? Est-ce que je fais pas? Donc là, j'ai déjà un pull quand même hein, sur moi. Vous voyez, j'arrivais pas à me dire, est-ce que ça va être bien ou est-ce que ça va être immense? Je sais pas. Je sais pas. Faudrait que je remesure, que je me remette dedans. Mais là aussi, comme je l'ai pas fait depuis très longtemps, est-ce que je vais pas avoir un problème de tension? Peut-être que ma façon de tricoter a un petit peu changé, un petit peu évolué. Ce serait dommage. Est-ce que je défais, je repars sur un autre modèle ou voilà. Mais ce pull était vraiment le patron. Ah, je suis désolée, je tape les aiguilles dans les verres. C'était vraiment un gros coup de cœur. J'adore la couleur. Voilà, très beau. Bon, c'est un classique hein, chez La Bien-Aimée. Je crois que c'est le Yellow Brick Road, si je dis pas de bêtises. C'est une couleur qu'elle reproduit voilà, depuis longtemps. Donc ça c'est une grosse pièce aussi hein, qui prend du temps. Voilà, c'est des trucs, j'arrive pas à me décider est-ce que je continue ou pas. Résultat, ça reste en stand-by et c'est un petit peu dommage. Ensuite, on a... Là, je suis pas fière hein, parce que c'était mon cadeau d'anniversaire. Donc j'ai flashé sur un modèle qui s'appelle le Effervescent Sweater qui est paru dans un pom-pom magazine, je sais plus quoi, l'année dernière. Et mon mari m'a gentiment offert la laine qui était prise en photo avec le modèle. Donc, c'était une collaboration entre The Wandering Flock et La Bien-Aimée. Donc, une couleur de La Bien-Aimée voilà, qui a été teinte par cette marque. J'ai tricoté. Donc, ce que j'aime pas dans ce patron, mais il va falloir que je mette un coup de pied aux fesses, c'est que c'est une construction bottom-up. Donc, voilà, j'ai tricoté le corps et la première manche. Voilà. Et il faut que je fasse la deuxième. Et comme une andouille, je ne sais plus quand, j'étais partie en vacances sans les aiguilles. Donc, j'avais pris la laine, j'avais pris tout, mais pas les aiguilles. Donc, il est resté un peu... franchement, je l'ai un peu zappé, lui. Il était au fond d'un sac, je l'ai oublié. Donc bon, c'est pas vraiment une excuse, mais lui, il faut vraiment que je le reprenne parce qu'il est trop beau. J'adore le patron, j'adore la laine. J'ai hâte d'arriver en haut. Là, il y a un panneau de dentelle et il y a des froufrous, donc tout ce que j'aime. Donc vraiment, il faut que... Voilà. Il faut que je finisse ce plat rapidement. Ensuite, donc ça, ouais, ça pourrait être... ouais, janvier, ce serait bien de le finir. Ensuite, autre chose. Je sais pas si on entend Sacha ronronner, mais ça y va, c'est un vrai moteur. Alors, on va passer hop, un petit peu de ce côté-là. Alors ensuite, donc ça, c'est quelque chose que j'ai commencé très récemment. Je vous l'ai montré très récemment, je l'adore. Et là, ce n'est pas du tout un encourboulet. Je suis en train de le tricoter, voilà, juste il n'est pas fini. Donc, il est à cette table. Et il a quand même pas mal avancé depuis que j'ai commencé, parce que j'ai commencé récemment. Il s'agit du pull Sugar Bosch de Marie-Amélie Design, voilà, que je tricote avec les laines de Au fil d'Horus. Donc, bah, ça avance tranquille. Non, 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 oh, moi ça, je me fais voler ma laine. Voilà. Et alors, j'avais précisé donc, la dernière fois que j'alternais les échevaux. Mais malgré tout, je trouve que ça fait comme une sorte de pooling. Vous voyez, là, j'ai du rose, là, j'ai du bleu. Bon, ça me... Après, le pull est tellement bariolé, etc., que ça me choque pas plus que ça. Mais, ouais. Voilà. Donc, lui, il est en cours, ça avance bien. Bon, après, voilà, c'est de la fingering, donc faut quand même le temps de le tricoter. Sacha. Ah, m'attaque la laine. Non. Reste dans ta chaise, s'il te plaît. Non, non. Fais des bêtises, fais des bêtises. Cet animal fait... Chut, chut. Si tu veux rester à table, tu ne manges pas la laine de maman. Oh là là, ce plan, c'est n'importe quoi. Tu es sage? Ouais. Ok. Ensuite, donc, le dernier pull dont je veux vous parler, si je ne dis pas de bêtises... ouais, je vous ai tout montré, sauf
le Moby Sweater que j'ai commencé pour mon fils. Non, Sacha. Oh là là. C'est difficile de faire ça avec un chat. Ce genre de vidéo. Il y en a partout, alors il est ravi. Il s'agit du Moby Sweater que j'ai commencé pour mon fils. Donc, Moby Sweater de petite knit que je tricote en Malabrigo yarn, la qualité Rios. Alors là, je n'ai rien fait depuis que je l'ai commencé. Enfin, c'est-à-dire les premiers jours, voilà. Premier week-end, j'ai tricoté ça et je me suis arrêtée. Donc là, pareil, hein, c'est pas bien du tout parce qu'en plus, c'est pour mon fils. Il faut que je me remette très sérieusement dans celui-ci. Ça, c'est une priorité. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment une priorité. Ça devrait aller vite en plus. Je tricote du 3 ans, du 3-4 ans. Mais en plus, j'adore faire des torsades. J'adore ça. J'adore les points texturés. Je sais pas. En fait, le problème, c'est que... Enfin, le problème, je me cherche toujours des excuses. Là j'ai eu beaucoup de monde hein, pour les fêtes, donc c'est pas le genre de truc que tu fais en étant en train de discuter à droite à gauche ou en étant déconcentré. Il faut être un petit peu focus sur la grille et j'ai pas eu l'occasion voilà, de me remettre bien dedans. Ensuite, donc là on a fait le tour des pulls, des gilets, hein, voilà, des pleins principaux. Si je dis pas de bêtises, je fais un tour de ma table. Ouais, c'est bon, on est pas mal, là, voilà. On va passer au dessert, hein. Donc, dessert, qu'est-ce que j'ai? Alors là, j'ai un truc complètement rassis qui date de l'été, je sais plus, il y a 2-3 ans. 3 ans, je pense, ouais. Alors, j'ai mis dans la corbeille à pain, j'ai même plus assez d'assiettes pour vous présenter tout ça. Il s'agit d'un sac qui est censé être un sac d'été. C'était une collaboration entre Lanae et Atelier Camélir. Donc c'était un sac en lin avec des aisances en cuir. C'est canon, franchement. C'est pas que j'aime pas le projet et tout, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai arrêté? Je me souviens maintenant, j'avais pas le bon échantillon. J'avais pas le bon échantillon et mon échantillon était, je sais plus, soit trop large, soit trop petit. Ce qui pose problème parce qu'ensuite, il faut une certaine dimension pour que ça matche avec le fond du sac qui est, je crois, en cuir et donc il faut le coudre. Voilà. Et évidemment, c'est un point qui est très ajouré, donc pas facile à adapter, à changer, etc. Ça ressemble un peu au point Rési du pull que je vous ai montré au tout début. Ouais, ça ressemble beaucoup. C'est peut-être même la même chose. Non, pas tout à fait, mais presque. Donc voilà, là je crois que c'était trop grand. Il faudrait que je défasse tout, que je recommence. Je n'ai pas du tout envie de faire ça en ce moment. C'est des fibres, c'est du lin, donc c'est trucs d'été. Oh, ça me fait penser que j'ai oublié un ouvrage. Il n'est pas sur la table. Bon, bah tant pis. Mais, de toute façon, j'ai tricoté que ça, donc je pense qu'on peut ne pas le compter parce que c'est indécent. Je devais commencer cet été un top d'été avec des copines en lin et moi j'ai tellement rien fait qu'en fait on va pas le montrer. Hein. C'est un petit peu, ouais. C'est comme si je vous montrais une pelote de laine et que je disais ah bah oui, c'est un encours. Non, il n'y a rien. Donc ouais, ça c'était du lin, enfin c'est du lin de Langyarn, si je dis pas de bêtises. J'ai noté. Oui. Et qui s'appelle Canapa. La qualité, voilà. Oh, c'est rien, c'est juste un nanomarqueur qui est tombé. Voilà, donc ça, gros projet boulet. Franchement, je sais pas. Là, non, pas pour janvier. C'est sûr que non, j'ai pas du tout envie. Je suis d'accord qu'il faut essayer d'éliminer les encours, mais il faut quand même se faire plaisir. Et ça fait pas du tout envie. Hein. Pas que c'est pas joli, hein. C'est joli et tout. Le résultat est magnifique. Lanae l'avait montré et tout, elle l'avait fait en bleu si je dis pas de bêtises, c'était ravissant. Mais j'ai pas là du tout envie de me mettre dedans. Donc ça, voilà, projet boulet, merci, au revoir. Hop, on va repartir là-bas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Ah, oui. Oui. Alors là, c'est vraiment de la viande. Non, on est dans les desserts. Un dessert complètement rassis à base de viande de caméléon. Je vous montre ça tout de suite. Là, c'est vraiment la honte. Ça fait plus d'un an
qu'il est dans son sac à projet. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un caméléon. Voilà, ça c'est la tête du caméléon. Enfin, que je finisse le caméléon. Là, c'est la langue du caméléon. Au bout, il y a une mouche. Donc, c'est un projet au crochet qui est tricoté avec du coton. Hein, voilà, et c'est un kit de la designeuse. Qui s'appelle Lydia Tressalt et ce patron s'appelle Conrad le Caméléon. Je l'ai commencé, ouais, il y a plus d'un an et voilà. Là, c'est la honte totale. Ouais, moi ouais, j'en ai parlé en plus et je l'ai pas fini. Je crois que je n'aime pas trop le crochet. J'ai plein d'envie au crochet. J'aimerais me faire des vestes, des couvertures, des sacs et tout, mais le crochet, je sais pas. Ça me procure pas autant de plaisir que le tricot. Pourtant, ça, c'est pas un truc qui est long à faire. Hein, mais voilà. C'est pas bien. Donc ça aussi, ce serait bien de mettre un petit coup de turbo pour janvier et de le finir. Parce que sinon, ouais, en plus, ça prend de la place. Hein, franchement, voilà. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, c'est un projet que je vous ai montré récemment. Voilà, hop. Ah, ça c'est un beau dessert. C'est un beau dessert, projet que j'ai montré récemment. Alors là, c'est pas du tout un projet boulet hein, qui a été relégué. Je le tricote doucement, mais il n'est pas encore fini, mais presque. Voilà, je vous le montre. Il s'agit de mon châle Fantastic Shawl de Stéphane West. Qui est là, là. Voilà. Ouh là là, par contre, mon câble ne va pas être assez grand, que je perde pas toutes mes mailles, là. Hop, il est où, voilà. Ouais. Donc, je n'ai pas assez de câble pour vous le montrer bien. Et mes bras ne sont pas assez longs non plus. Voilà, je n'ai pas une envergure d'albatros. Je crois que la dernière fois que je vous l'avais montré, je devais en être là. Donc, voilà, depuis, j'ai fait... je fasse attention avec les bougies. La section texturée là, du point à poids. Là, c'est du point mousse. Et là, c'est juste un aller-retour en suris. Et comme je fais la petite taille, là, j'arrive à la fin. Bon, bah, il va prendre du temps quand même. Hein. C'est une bordure en chevron. Donc, voilà, il faut que je m'y attelle. Bordure en chevron, en suris, je crois. Verte. Et en moutarde comme ça. Donc voilà, j'ai ça à faire. Et puis après, il sera fini. Voilà. Moi, ouais, j'adore. Lui, j'adore. Lui, j'adore. Et il faut que je le finisse pour pouvoir le porter rapidement, là, pendant qu'il fait froid. Voilà. Donc là aussi, j'avais indiqué tous les fils. J'ai bon, plusieurs fois. Donc si vous voulez aller voir, tout est indiqué sur mon compte Ravelry. Voilà. Hop. Et dernière chose que je voulais vous montrer ce soir, il s'agit d'un pull que j'ai commencé. Alors, je l'ai oublié dans la section pull. Hein. Oui. Donc, ce n'est pas 8 pulls que j'ai en cours, mais 9. Ouais, 9 pulls. Hein. Waouh, c'est bien, Vanessa. 9 pulls, c'est n'importe quoi. Donc, le 9e, en plus celui-ci, moi, je me suis dit pourquoi pas, je l'ai castonné hier pour le nouvel an, parce que j'avais envie d'un caston de nouvelle année, avec un très beau fil que j'ai acheté au Knit It. Donc, c'est El Robledal de quelque chose, je ne me souviens plus le nom de la marque. Je ne parle pas du tout espagnol, je crois qu'ils sont espagnols. El Robledal, je n'ai plus l'étiquette, voilà. Je vous en dirai plus. Donc, c'est de la déca et dedans, il y a un peu de soie, donc ça brille. C'est vraiment très, très beau. C'est un très beau fuchsia. Et j'ai commencé le pull Antonia. Donc là, évidemment, ça ne donne pas grand-chose. En plus, je suis sur un tout petit câble. Ouais. Vous verrez peut-être pas très bien. Ça aussi, il faudrait que je remontre. Deux jours. Pull Antonia. Donc, il y a un joli pull avec des nopes, de la dentelle et tout. Ça va être très chouette. Voilà.
Donc là, pareil, pas projet boulet, mais pourquoi avoir commencé un pull alors que j'en ai 8 à finir? Voilà, j'ai la castonite aiguë. Puis je n'ai pas autant de temps que j'aimerais, donc c'est pas forcément raisonnable. Ce n'est même pas raisonnable du tout. Voilà, mais j'en avais envie, donc je l'ai commencé. Voilà. Écoutez, j'espère que vous avez passé un bon dîner. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez. S'il y a des choses, là c'est trop moche, tu devrais les faire complètement et passer à autre chose. Vous avez le droit de me dire que c'est pas bien du tout. Vous avez le droit, voilà, soyez honnête. Peut-être que vous êtes pire que moi, là aussi je suis curieuse. J'aime bien voir voilà, les encours des autres aussi. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt, hein, bonne soirée. Voilà, le chat est épuisé, donc il est temps d'arrêter cette vidéo. À bientôt, au revoir. Évidemment, on vous souhaite une bonne année, plein de bonnes choses, la santé avant tout, plein de bonheur, de réussite, plein de projets, plein d'encours, plein de laine. Voilà, je vous dis à très vite, au revoir.